Hola, ¿cómo les va? Me da gusto volver a verlos en un nuevo capítulo de Semo Voyage. Y también les quiero decir antes de empezar que me encantó leer sus comentarios en mi video sobre las groserías francesas y mexicanas. Algunos me dieron mucha risa. Hoy les quiero platicar de un tema que a mí me encanta, me fascina, la comida. Porque aunque no se vea, yo sí como mucho. Y por eso siempre me han dicho que tengo patita hueca. Y aparte de comer un montón, me gusta también cocinar. Y hoy toca mercado. On est au marché, c'est un lieu où je viens souvent quand j'ai besoin d'acheter les ingrédients pour préparer tous mes petits plats, qu'ils soient français ou mexicains. Quand je suis arrivée au Mexique, les premières fois que je suis venue au marché, j'ai vu beaucoup de fruits et légumes que j'avais jamais vus de ma vie. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on trouve au marché au Mexique qu'on ne trouve pas ou qu'on trouve difficilement dans un marché en France? Allez, on va faire les courses. Me da por favor un cuarto de huitlacoche y también huasontle. Le huitlacoche en nahuatl, ça signifie l'excrément des dieux. Et en français, on le connaît comme la truffe mexicaine ou le caviar aztèque. Moi, je préfère l'appeler l'or noir. Le huitlacoche, c'est un champignon qui grandit sur le maïs. Et en enquêtant un petit peu sur le sujet, j'ai appris qu'il y avait du maïs mâle et du maïs femelle. Et il grandit sur le maïs femelle. C'est un peu comme une tumeur sur les ovaires. Il a un goût assez spécial, il est amer en fait, et c'est excellent pour les adeptes des saveurs fortes. C'est un mets très raffiné qui se mange en soupe ou en quesadillas avec des tortillas de maïs. Si me puede dar huasontle. Medio. ¿Cómo lo hace usted? Mira, yo lo pongo aquí, le quito las hojas, todas las hojitas que trae, lo lavo bien porque trae tierra, lo pongo a hervir y ya hago unos pequeños ramitos. Ya cocidos los abro, les pongo queso manchego o queso Oaxaca o panela. Ajá. Los vuelvo a cerrar, exacto. Los revuelco tantito en harina, luego los meto al huevo. ¿Y en huevito también? En huevo. Recosan, luego ya lo sales y preparas el chile de guajillo o mole. El huasontle viene de la familia. 32 kilos. ¿Cómo? 32. 32. En mi bolsa del mandado. Aquí tiene. Le huasontle. En náhuatl, ça veut dire le cheveu d'amarante. C'est un super aliment qui a beaucoup de vertus. Il est anti-cancéreux, entre autres. Ce qui se mange, c'est les feuilles. C'est des petites boules comme ça. Et les branches. Le huasontle, il est de la famille des quelites. Quelites, ça vient du nahuatl, quilitl. Les quelites, c'est le groupe des plantes qui ont du feuillage comestible. Le voy a pedir, por favor, unos quelites. Quelites, si no tengo. ¿Los tiene con encargo? Eso sí. ¿Le puedo encargar unos cenizos? ¿Cenizos? Sí, un medio. ¿Medio de cenizos? ¿Sí? Muy bien. Gracias. Le plus important au Mexique, c'est le maïs. Ce serait l'équivalent du blé en France. Ça s'utilise dans beaucoup de plats et on fait avec les tortillas. C'est l'équivalent du pain pour nous. C'est très important dans la gastronomie mexicaine. Au Mexique, on a plus de 64 variétés de maïs. Aujourd'hui, on a pu acheter la normale, mais il y a aussi du maïs de couleur. Il y en a du rose, du bleu, du rouge. Et aujourd'hui, on a juste trouvé celui-ci. Et je veux profiter de l'occasion pour mettre les points sur les i. Ce qu'on trouve en France, les tortillas Old del Paso, c'est pas de la cuisine mexicaine, c'est de la cuisine Tex-Mex. Ça n'a rien à voir. Et celui qui ose me dire qu'il a mangé mexicain parce qu'il a fait des tacos Old del Paso, qui viennent me voir, y le voy a partir su mandarina en gajos. ¿Qué tal? ¿Me das, por favor, un ramo de pasote? Y también voy a tomar una bolsa de nopal. Le nopal, c'est une feuille de cactus qui est comestible et qui se mangeait déjà à l'époque préhispanique. Je peux pas vous décrire sa saveur étant donné qu'on n'a rien de semblable en France, mais je peux vous dire sa texture. Il est croquant et il est baveux. Je le mange grillé, en jus vert, détox ou en salade. C'est un aliment réputé pour contrôler l'obésité et le cholestérol. Et une donnée importante, c'est que le nopal, c'est la plante qui est sur le drapeau du Mexique. Il est sur l'emblème du Mexique. Les pasotes, en France, on le connaît comme l'épazote ou le thé du Mexique. C'est une herbe aromatique qui a une odeur pas très agréable, mais qui donne de la saveur à tous les plats. On le met dans le riz, dans la sauce des chilaquiles, des enchiladas et aussi dans les frijoles. Il a des propriétés carminatives, c'est-à-dire qu'il t'empêche de faire des proutes. Très important. Me da por favor un kilo de tomate verde y unos chayotes. Le chayote, en nahuatl, ça veut dire
le fruit épineux et il porte bien son nom. Donc là, on lui a retiré les épines, il est tout doux. Et quand tu le cuis, ça a la texture d'une courgette. Je ne suis pas très fan, mais c'est bon. Tu peux le préparer en dessert ou en plat principal. Et là, on a la tomate verte. Alors, il faut faire la différence. Au Mexique, le jitomate, c'est celui-ci, c'est la tomate rouge. Et le tomate, c'est la tomate verte, c'est celle-ci. Elle est plus acide. Tu peux faire des sauces pour les chilaquiles, enchiladas. Et donc ça, c'est pas une tomate qui n'est pas mûre, c'est vraiment une sorte de tomate à part. Et une donnée intéressante, c'est que tomatl, en nahuatl, ça veut dire le fruit au nombril. Je trouve ça assez poétique. Et on a parlé nahuatl en France sans le savoir. On a déjà le chayote et les tomates vertes. On va voir combien ça nous coûte. Ça vient 28. Bien. Gracias. Tiene que hervir para que suelte todo el jugo, si no, no lo suelta. Si se lo quiere echar, sí. Pero primero lo tiene que lavar, enjuagarlo. Y luego ya lo hierve, ya que salga todo el juguito, lo cuela en una coladera para echárselo a... La flor de Jamaica, la fleur de Jamaïque. Contrairement à ce que son nom indique, elle n'est pas originaire de la Jamaïque. Elle n'est pas non plus originaire du Mexique. Elle vient d'Afrique. Alors, elle sent très bon. Par contre, quand je la bois, elle a une saveur très forte. On peut l'utiliser pour traiter l'hypertension artérielle. Le voy a pedir, por favor, medio de tamarindo. Aquí vienen muchos franceses. Sí. Yo tengo varias clientas, ¿eh? Ah, excelente. Llevan nuez, almendra, llevan especies también. Más que otra cosa. Le quita la cascarita aquí, ¿no? Ah, y aquí tiene una semilla. Y esto es la pulpa. Y eso se machaca un poco y ya. C'est un goût assez acide, duquel j'étais pas fan au début, mais j'ai appris à l'aimer. Et il est recommandé pour les douleurs articulaires. Ya nos vemos. Gracias. Que les vaya bien. Igual. ¿Me das jícama, por favor? Una mediana, esta estaría bien. La jícama, ça vient du náhuatl, qui signifie la racine aqueuse. Et elle porte bien son nom. C'est l'un des ingrédients que j'aime pas. Je suis désolée, mais je trouve que ça n'a pas de goût. Par contre, sa texture, je peux vous la décrire. C'est comme la pastèque. Quand tu le mets dans la bouche, c'est croquant et ça a plein d'eau. Este quiero una para mañana. Es que para mañana se siente un poco durita, pero como está haciendo mucho calor, para mañana ya te enseñaron la pizza. Ah, pues voy a tomar esta para mañana. Sí. La papaya, c'est mon fruit préféré. Que ce soit en eau de saveur ou que ce soit en salade de fruits. J'ai demandé à plusieurs Français ce qu'ils en pensaient et ils ont été quasiment unanimes. Pour eux, ça a le goût de terre. Moi, je trouve pas. C'est un fruit laxatif qui peut être d'une grande aide quand tu as les intestins fainéants. Alors, on a fini de faire les courses et on est venu manger dans un petit restaurant qui est à l'intérieur même du marché où on a acheté tous nos ingrédients. Et je vais vous montrer. On a au menu aguardiente les tortitas de huasontle. Donc vous vous souvenez qu'on les avait achetées comme ça. Là, on l'a en brut et l'a préparé. Ça a l'air délicieux. Et pour accompagner notre huasontle, on a les tortillas de maïs. Celles-ci, elles sont faites à la main. Alors, on va faire un petit taco. La tortilla, ça vient de là. Du maïs. Bon appétit, bien sûr. Si tu veux manger du huasontle, il faut être conscient que tu vas perdre le glamour. On a fini, j'ai rempli mon sac, c'est un petit peu lourd d'ailleurs. Et je suis sûre que vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé avec le chili, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mentionné ? Alors, faut savoir qu'ici, il y a énormément de variétés, donc c'est très sérieux, c'est du sérieux le chili. Et ça mérite une vidéo à part, qu'on fera sans doute bientôt. Es todo por hoy, espero que les haya gustado. Y me pueden poner en los comentarios qué les pareció y sobre todo cómo cocinan estas delicias mexicanas. Si eres francés y ya visitaste o viviste en México, dime cuáles de los alimentos que vimos te gustaron y cuáles no.
y por qué. Y si todavía no has visitado México, ¿qué te gustaría probar? Amigos, nos vemos pronto. Y si todavía no me siguen en mi página Facebook y en el canal YouTube Se Bon Voyage, ya lo pueden hacer dando clic aquí abajo en suscribirse. Y no está de más decir que en el Facebook no solo pongo los videos que hago para el YouTube, sería una flojera hacer eso, ¿verdad? Sino que también posteo cosas bien padres e interesantes sobre Francia y México, así que no se lo pierden. ¡Un besote!